Crucifie-le. Crucifie-le. Crucifierai-je votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Toi, Jésus, tu es venu nous apprendre à aimer. Tu l'as exprimé par ta façon de regarder les pauvres, les malades, les exclus, les étrangers. Tu n'as pas condamné aucun. Au contraire, tu les as appelés. Tu n'en as condamné aucun. Au contraire, tu les as appelés à se mettre debout, à grandir. Mais le regard des hommes t'a condamné, toi, Jésus. On refuse de croire en toi et d'écouter la bonne nouvelle que tu annonces. On te ridiculise, et pire, on te condamne à te taire. Prenons le temps de regarder cette première citation. Jésus est condamné à mort. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois, nous faisons taire les autres. Parce que leurs paroles nous dérangent, nous étonnent. Pour toutes les fois où, d'une manière ironique, nous blessons celui ou celle qui a la simplicité de partager son expérience, l'expérience qu'il a des toi. Oui, nous te confions cette prière à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Seigneur Jésus, cette croix est le symbole de nos péchés, de notre misère et de nos faiblesses. Tu nous aimes tellement que tu trouves la force pour porter le poids de cette croix. L'amour que tu as dans le cœur est tellement fort qu'il te donne le courage de vivre cette épreuve. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive. Seigneur, apprends-nous à marcher derrière toi. Aide-nous à garder confiance en toi dans les épreuves. Ainsi, nous pouvons grandir dans ton amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donne-nous la force de lutter contre notre péché, pour respecter davantage les droits des femmes, de nos vies, en particulier ceux des pauvres. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles et les siècles. Amen.
quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Seigneur Jésus, tu savais que ta mère serait là le long du parcours. Depuis ta naissance, elle n'a jamais manqué d'être là. Ta mère te suit courageusement. Tu croises son regard plein d'amour et de compassion. Elle te redonne courage pour aller jusqu'au bout de ta mission. Ensemble, prions le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène.
qui revenait des champs, et le chargeaient de la croix pour la porter derrière Jésus. Jésus, humblement, a voulu être aidé. Souvent, nous sommes tentés de nous enfermer par orgueil dans nos difficultés. Au lieu d'accepter simplement d'être aidé, ensemble, nous disons notre Père,
Jésus disait, oui, vraiment, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Seigneur, comme nous, tu tombes plusieurs fois. Tu te relèves, tu nous invites à poursuivre le chemin. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres.
neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Seigneur Jésus, du jour de ta croix, avant de mourir, tu donnes ta mère à tous les hommes. Elle n'a cessé d'aimer comme toi. Tu lui offres une confie cette mission d'être notre mère à tous. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné Marie pour mère.
Nom de Père, et de Jésus,
Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Seigneur Jésus, tu meurs pour chacun de nous. Il fallait que tu nous aimes vraiment pour accepter de donner ta vie jusqu'au bout. En te regardant sur la croix, notre cœur redire tes paroles d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, apprends-nous à aimer jusqu'au bout.
Pilate permet à Joseph d'Arimathie de reprendre le corps de Jésus. Ayant acheté un linceul, Joseph d'Arimathie descend le corps de la croix. Maintenant qu'il a tout supporté, malgré tout le trouble qui agite les cœurs, malgré le pouvoir de la haine et des lâchetés, voici que Jésus n'est pas demeuré seul. Il y a les fidèles. Auprès de la croix, il y avait Marie, sa mère, Marthe, la sœur de sa mère, le disciple qu'il aimait. Et Joseph d'Arimathie, au-delà de l'heure du grand deuil, des ténèbres épaisses et du désespoir, demeura cependant mystérieusement la lumière de l'espérance. Nous irons tous.
Quelle était notre importance en ce monde? Il est allé chercher tous les défunts, passés et à venir, pour leur annoncer qu'en lui, l'amour donne jusqu'au bout. Donner jusqu'au bout est un amour qui ne finit pas. Un amour plus fort que la mort. Pour maintenant nous poursuivre par la vénération des reliques que va vous présenter.